Bonsoir, bienvenue sur le podcast de la Bourse, c'est Laurent. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, pas trop compliquée, on va y revenir justement. Mais tout d'abord, je ne le présente plus, Tino est à mes côtés. Salut Tino, ça va? Salut les Merci. amis, salut les podcasteurs de la bourse. Merci à toi de prendre du temps pour les podcasteurs justement. Salut Jo. Très, très sympa. Épisode 10, émission 10 déjà, c'est le temps passe. Ça y est, on a fait la. Tu te souviens quand c'était la Contacté, première ouais. fois, tu m'avais dit on en La fait une première pour fois. essayer, puis après on a dit bon, allez, on va jusqu'à 10 Ouais. et puis on verra Au début, de peut-être pas de questions, conviction, enfin de quoi. On conviction a aussi, dit on on avait de la verra bien, et conviction, puis mais. bon, ben, non seulement on est à la 10e, mais en plus, on va en faire une 11e pour fêter ça Tout à un fait. Et peu ça tombe très spécial. bien. Exactement, parce que le prochain épisode, l'épisode 11 dans une semaine, le vendredi 6 novembre à 21h, on vous invite tous à nous rejoindre. On fera un live. Alors, on regardera un petit peu les modalités, soit sur Facebook, soit sur YouTube, comme on a fait hier justement, où chacun En pourra cast, poser ouais. ses questions et on essaiera d'y répondre. Alors, hier, c'était un peu une surprise. J'imagine que les gens ont vu ça sur le groupe ce matin, étaient un peu surpris en disant, ouais, j'ai loupé le truc. Non, non, vous ne l'avez pas loupé hier, c'était un test et qui s'est transformé presque en épisode spécial pour deux de nos podcasteurs. Individuel, ouais. Ouais, qui ont des recommandations vraiment individuelles. Ouais, on remercie D'ailleurs, Grégory d'ailleurs, et il y avait et le comment commissaire. Will, je crois que Will, c'est ouais, ça. on les remercie. On les remercie, c'était très sympa. Ouais. On les remercie, mais on leur enverra quand même la facture, hein, parce que Oui, eh ben oui. non, blague à Non, c'était part, c'était sympa. En tout super cas, cool. c'était C'était marrant. super sympa d'ailleurs qu'ils nous aient contactés en disant que tout allait bien, que la qualité sonore, etc., était bien. Donc, non, c'était super. Merci à eux. Merci à eux. Merci les gars. Voilà. Donc, ça sera la semaine prochaine. Mais là, c'est le programme de la semaine. On va faire cette semaine, c'est aussi une émission spéciale, comme on l'avait annoncé. On va parler que des indices. On ne parlera pas de valeurs en particulier, ou peut-être à la fin, justement. Oui, peut-être à la fin. Toi, Tino, je crois que tu veux pas revenir sur deux, trois choses qui sont passées cette semaine. Et je pense aussi que c'est très important. Je suis complètement d'accord aussi là-dessus. Donc, on rebondira là-dessus. On va commencer par le CAC, comme d'habitude. On en parlera parce que c'était une semaine difficile. Le DAX, bon, ce sera à peu près la même chose, hein, on peut déjà le dire, ça a été parallèle. Le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont aussi été des semaines aussi difficiles, surtout aujourd'hui, pour les techs. Voilà. On a fait le tour. On a Tino, fait le tour, quelque mon chose Lolo. Ouais. à ajouter? Non? Non, Alors, non, on non, passe. non, non, Lolo. On fera à la fin, effectivement, on a mis small cap parce que je pense qu'à la fin, c'est important qu'on le fait souvent, mais qu'on rappelle parce que souvent, on nous dit, et moi, je suis un peu plus visé, ce qui est normal, hein, puisque je fais de l'analyse technique. On me dit, oui, mais tu fais peu d'analyse technique sur les biotech, sur les small cap, etc., etc. Et je vais vous expliquer, on l'a déjà fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et pour quelles raisons nous quatre, avec Jesse et Mathieu, on se refuse des postes sur des small caps et des carnets d'ordre relativement vite. Voilà, on vous donnera Surtout un les exemple de carnets ce qui d'ordre s'est passé relativement aujourd'hui. vite, c'est vraiment le. Surtout, ouais, surtout Ouais. ça. À la limite, small cap, on s'en fout. Si c'est une action à 30 centimes, mais qu'il y a beaucoup de volume et que vous pouvez sortir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce qui est gênant, c'est quand c'est une small cap ou même une grosse cap, mais où il n'y a pas beaucoup de volume. C'est ça qui est embêtant. Tout à fait. Bon, Alors, mon Tino, petit Lolo, on commence par le le CAC. CAC. Je suis tout Ouais. ouïe. Alors, Semaine écoute, difficile. ouais, ben oui, Je bien pense que sûr. tout le monde le sait. On a eu un lundi noir. Attends, On a oui, eu c'est ça, on a eu un lundi noir. Alors, pour reprendre, si Ouais. tu veux, on était, tu te souviens, il y a, c'est, alors c'était l'émission du vendredi 9 octobre, je m'en souviens Ouais. parfaitement, Ouais. puisque cette émission-là, Il on y a était quasiment un ici, mois. et Ou ouais, il y a ouais, quasiment, bon, presque. ouais, Ouais, un non, il y a mois, trois semaines. Il y a trois semaines. 3 semaines, Ouais. oui, parce que c'était l'émission 7. Ouais, Ouais. c'était l'émission 7. Et on était là, vous pouvez la reprendre, hein, l'émission 7 du podcast de la Bourse sur YouTube. Elles sont toutes enregistrées, sont toutes disponibles.
Et moi, j'avais indiqué, on venait de faire une paire de séances absolument magnifiques, on avait fait un super rebond, etc. Et moi, j'avais dit, à ce moment-là, j'avais fait un constat assez… Noir à l'époque, enfin sombre plutôt. Ouais, un peu pas noir, mais disons que j'avais mis des doutes. Beaucoup moins euphorique, que... voilà. Nettement pas, pas ouais, euphorique. Ouais, parce que pour moi, tant qu'on n'avait pas ouais. dépassé… Moi, le signal, tu te souviens, au tout départ, on était dans un biseau et le signal de la cassure de ce biseau, c'était le gap. Voilà. Ouais. Pour moi, le premier signal baissier, c'était le gap. Donc, pour moi, psychologiquement, tant que le CAC n'allait pas dépasser en clôture ce gap, on serait baissier. Voilà. Ouais. Pour moi, ce rebond, ce n'était qu'un rebond et pour le moment, tant qu'on n'avait pas comblé le gap et dépassé le gap en clôture, on était baissier. Et c'est exactement ce qu'on a fait, puisque le lendemain, donc le vendredi, enfin, la séance suivante, donc le lundi, on a comblé le gap. Je vais zoomer un petit peu, parce que des fois, les gens me disent, on ne voit pas assez. Je vais zoomer un petit peu. Cette séance-là, on a comblé le gap, tu vois, avec une mèche haute. Voilà, parfait, on l'a juste comblé, mais on ne l'a pas clôturé au-dessus du gap. Où on a clôturé juste à fleur. Et le lendemain, boum, une bougie rouge, pardon. Et puis derrière, boum, gap baissier. Donc voilà, on est revenu combler ce gap baissier et derrière, on l'a refait. Boum, on est reparti, grosse bougie, etc. Et puis après, ça a été la dégringolade. Et là, c'est ce qu'on a absolument. Fait. Alors, maintenant, je vais partir sur le même raisonnement que celui que j'avais fait ici. C'est-à-dire que pour moi, tant que l'on n'a pas rebouché et dépassé ce gap-là, on est baissier. Voilà. Donc, ce gap-là, il est aux alentours des 4730 points. Donc, qu'en clôture, on n'a pas dépassé les 4730 points, ce seront clairement les vendeurs qui auront la main sur le marché. C'est-à-dire que là, attention, ce qui va arriver, ce qui peut très bien arriver dans les prochaines séances, c'est un rebond, comblement du gap, comme on l'avait fait, regarde ici. Et derrière, on peut très bien avoir de nouveau une baisse. Une rechute. C'est tout à fait possible puisqu'on a une tendance baissière. Tu vois, une hausse, une baisse avec une cassure du plus bas. Une hausse moins haut que le plus haut précédent et une baisse plus basse que le plus bas précédent. Là, de nouveau, on va faire très certainement un rebond, mais ça m'étonnerait qu'on casse, enfin, on verra bien, mais ça m'étonnerait qu'on vienne casser ce plus haut et ensuite, on viendra certainement recasser jusqu'à qu'à un moment donné, la tendance s'inverse, que le CAC se stabilise vraiment, tu vois, parce que peut-être que le CAC va se stabiliser, hein. Peut-être que le CAC va nous faire un petit ranch, voilà, peut-être pendant quelques temps, et puis d'un coup, ça y est, il va repartir à la hausse. Et là, je te dirais, ah, ça y est, mon lolo, on a cassé un plus haut qui était ici, donc ça y est, on est reparti. Ouais. Mais pour le moment, on est en tendance baissière. Donc, on ne rentre pas pour le moment sur le marché. On l'observe, on regarde ce qu'il nous fait, on attend qu'il nous donne des indications. Là, on a 3 bougies depuis le gap. On n'a rien, on n'a pas d'infos. C'est au moins 5, 6, 7, 8, voire 10 bougies, des fois plus. On a le temps, on a le temps. On est bas, de toute façon, on n'est pas cher. On est à 4500 points. Et le marché ne va pas s'envoler demain à 5500 points. On a largement le temps de rentrer. Voilà. J'achèterai pas surtout le CAC en dessous de mon lot. Absolument. Surtout qu'en dessous de mon lot, si on vient casser ce plus bas, derrière, je vois pas beaucoup de soutien. Alors, il y en a un peut-être ici. Là, il y a un gap, tu vois, qu'on avait ouvert, qui est un tout petit gap, là, qui est ici, qui est à 4350 points. Ouais. Derrière, c'est 4002. Et après, derrière, c'est chaud. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. C'est chaud. Voilà. Ouais. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Donc, je pense... il est urgent notamment. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi la bonne saison ou peut-être l'occasion justement de ces baisses pour ceux qui veulent investir dans le CAC, faire vraiment du stock picking là en l'occurrence et pas acheter tout un marché, à savoir un ETF CAC 40. De toute façon, c'est un truc que je défendrai jamais parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais enfin bon, voilà, c'est un autre débat. Voilà, donc je dirais, les gens vont regarder si vous avez des valeurs qui ont vraiment bien baissé, auxquelles vous croyez, les fondamentaux vous rassurent, ça peut être Je pense que le signal sur les indices européens, et on va le voir juste après le DAX, on va aller voir les indices américains, je pense qu'il va y avoir un signal que j'attends.
tu vas le voir, il y a une figure qui m'intéresse, qui sont sur le S&P et le Nasdaq, c'est deux figures qui sont exactement les mêmes, ouais, qui vont être très importantes. Et les je pense qu'on les va poids lourds du Nasdaq dans... et du S&P 500 sont les mêmes, donc c'est qui à peu près le même motif, ouais. c'est oui, absolument ça logique. Ressemble, ouais. Ouais, et tu verras, je pense qu'il y a un signal qui va, dans les prochains jours, nous donner la suite. Soit on va continuer à baisser, soit on va se stabiliser et on va avoir la réponse, je pense, en tout début de semaine. Ouais. Ok, merci Tino. On passe au DAX. Alors, qui le, bah, le DAX, ça ne vaut de rien. Comment ? De rien, je te dis. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, non, ça avait un peu coupé, j'avais pas. Ouais, bah, le DAX fait à peu près le même motif, le même pattern, alors, on va dire. On a eu juste comme ça pour rappeler. Le on DAX, a une baisse. C'est plus joli, je trouve, que le. Enfin, plus joli. C'est pas ce que je veux dire. Pas, ouais. C'est pas plus joli, je veux dire, techniquement, c'est plus joli. Puisqu'on avait une hausse, on avait, tu te souviens, ce biseau ascendant qui est une figure d'essoufflement haussière qu'on a cassé. Ouais. On a fait exactement. Techniquement, ça a montré dans les écoles. Hein, on a fait un pullback sur la cassure, d'accord. Au niveau de la cassure du biseau ici, on est revenu ici, d'accord. Ouais. Et puis derrière, ça n'a pas tenu. On n'a pas dépassé. On n'est pas arrivé à venir gratter le gros gap baissier là qui datait du 24 février. Et du coup, boum, on a explosé à la baisse et on a même fini sur la séance de mercredi avec un gap baissier vraiment très très moche là. Ouais. Donc, même constat, donc, on a une zone de soutien qui est ici, d'accord. On a une zone de soutien sur le DAX qui a l'air un petit peu plus solide que sur le CAC, qui est entre 11 200 et 11 400. Mmh. Voilà, même constatation que le CAC. On devrait venir, je pense, plus ou moins rapidement combler ce gap. Et là, on va avoir une réponse. Soit on va tout casser, soit effectivement on va arriver à le traverser et là peut-être qu'on pourra se dire bon allez ok ça va, on a sauvé les meubles, on repart. Okay. On a un peu plus de certitude, mais moi le DAX tant qu'on a passé, en plus c'est à 12 000 points, tu vois, c'est pas du hasard, c'est un chiffre rond, donc le DAX, le chiffre à retenir c'est en dessous de 12 000 points, on est baissier, point à la ligne. Ok. D'accord. Je voulais juste revenir sur deux choses sur le DAX parce que cette semaine on a eu j'ai eu justement pas mal de messages concernant SAP justement qui a livré ces chiffres qui ont été, ma foi, qui n'étaient pas non plus si mauvais que ça, pas catastrophique. Vraiment pas catastrophique, mais la société a perdu en une séance 23%. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, maintenant c'est devenu Adidas, mais c'était la première capitalisation du DAX. Et depuis, les 23% de baisse, ça ne l'est plus, c'est Adidas maintenant, la plus grosse capitalisation du DAX. Donc, c'est pour je revenir là-dessus. Je crois qu'ils ont… ce qui a pas, il me semble, hein, Lolo, mais tu m'en diras plus. Ouais. Il me semble que ce qui n'a pas plu au marché, c'est le fait qu'en fait, ce n'était pas les résultats, mais il me semble qu'ils ont dit que c'était qu'ils n'avaient pas de perspective annoncée dans les prochains mois et les prochaines années. Ils ont annoncé jusqu'en 2023 des chiffres qui… pourrait être difficile. À quoi c'est dû? Justement, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, mais tout le monde ne le suit pas parce que j'ai justement eu beaucoup de questions et si tu veux écrire justement, écrire un texte là-dessus, honnêtement, j'avais pas vraiment cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc, j'avais répondu sur Instagram, mais là, je le refais. D'ailleurs, les gens, si vous voulez, l'occasion, de temps en temps, je fais des trucs dessus où je donne un peu mon avis plus régulièrement que sur Facebook, parce que Facebook, je le laissais aussi aux membres pour ne pas polluer, entre guillemets, avec mes avis perso. Mais ça, c'est juste mis à part. Donc voilà, je reviens sur SAP. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient beaucoup plus axer sur le cloud. Et pour comparer, si tu veux, ils veulent passer au même système que ce que fait Adobe. A fait Adobe il y a des années, c'est-à-dire ne plus vendre de logiciels, mais faire un service d'abonnement basé sur le cloud, c'est-à-dire des revenus plus régulier, moindre par mois, mais pour ça, comme je disais, voilà, plus régulier. Mais ça, évidemment, ça va te, dans les prochains mois ou années, ça va évidemment te plomber tes résultats parce que tes logiciels, tu vas plus les vendre. Tu vas plus avoir de chiffre d'affaires d'un coup de X milliers d'euros pour telle boîte, mais tu vas avoir un abonnement de quelques centaines d'euros. C'est un exemple, certes plus régulier, mais qui vont quand même te plomber sur un certain temps, jusqu'à priori 2023, ce qui était annoncé. Qui va te plomber entre guillemets tes résultats. Donc personnellement, je trouve ça très intelligent. Là, on va direction le support, hein, Lolo, je crois. Ouais. Juste pour finir,
C'est juste, je pense qu'en soi, c'est intelligent, mais que ça a été fait d'un coup et avec vraiment quand même vraiment d'un coup aussi brutal, ça, c'est ce qui a vraiment pas plu au marché. Ils auraient pu commencer en disant, voilà, on va commencer avec ce logiciel-là, les autres y viendront plus tard, etc., pour un peu étaler. Bon, beaucoup n'ont pas compris pourquoi justement ils faisaient ça, ils avaient fait ça d'un coup, quoi, en fait. Donc voilà, donc On a c'était pour sur SAP SAP. parce que je sais que c'est Jesse donc qui voulait qui était intéressé. Jesse surveille SAP, ouais. Ouais, Mais ça on ne change en rien. a Pour moi, ça reste une très très belle valeur quand même, SAP. Malgré, bon, le marché voit ça autrement à l'instant parce qu'ils l'ont vraiment plombé. on a Mais Lolo, je j'avais pas fait l'étude de SAP. En fait, on a quand même tu vois. ouais. On a quand même une méga trend. Et là, on arrive sur une zone quand même extrêmement importante. Voilà. Ouais. Il faut voir s'il y a un rebond dans les prochains jours de SAP. Ça peut être une opportunité de rentrer. Si tu dis que fondamentalement, en plus, bon, ben, la correction semble un peu excessive, non, je Ouais, crois, ouais. ce que tu dis, hein. Ouais, mais c'est ce que je dis. Oui, j'ai trouvé ça excessif, mais d'un autre côté, quand je trouve une correction excessive par total, et en argument, désolé les mecs, le marché a toujours raison, ça veut dire que voilà, je peux pas. Une entreprise qui me plaît, je ne peux pas avoir un autre raisonnement. Donc là, le marché a toujours raison. Une baisse de 23% pour lui est justifiée. Voilà. Ceux qui veulent rentrer, allez-y. Faites quand même attention. Surveillez les prochaines semaines quand même. Regardez un peu sur le investor relationship de l'entreprise. Voir un peu comment elle se positionne, etc. Regardez les fondamentaux. Je crois que j'avais fait une analyse de SAP. Donc regardez ça. Sinon, si oui, j'avais fait une analyse audio, évidemment, j'avais fait justement avant la baisse de 23%. Donc voilà. Donc évidemment, là, pour le coup, c'était un peu un signe noir, entre guillemets. Je ne savais pas qu'ils allaient complètement changer leur modèle. Ouais. Malheureusement, ça Bon, là, arrive. voilà, Lolo, C'est. juste, on n'avait pas prévu de parler de SAP, mais voilà, juste pour Jesse qui nous écoute, voilà, la zone, elle est là, Jesse, si tu veux rentrer, si vous voulez rentrer, elle est là, en dessous, si on est à casser les 80, 80 ce serait quand euros, même ça peut prudent. être... Mais bon, ça peut arriver, mais ce serait quand même. On a bien perdu, tu te rends compte un peu? C'est un truc de fou, hein. Pour une valeur comme ça, moi en plus j'ai failli rentrer là dans le conso, parce que tu vois, il y avait un triangle symétrique. J'attendais qu'on casse le haut du canal là pour rentrer. Ça faisait un moment que je regardais. Purée, des fois, c'est vrai que là on a perdu Ouais, des quand même fois, on a le nez fin. 33-36% hein, quand même. Ouais. Purée. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Par contre, on reviendra à la fin. C'est une société, par exemple, où tu peux te protéger avec des stop-loss, parce que c'est une société extrêmement liquide, SAP. Oui. Même si elle a beaucoup morflé, c'est une Bon, société comme hormis ça. que là, pour le coup, le stop loss avait le gap baissier, il ne servait pas à grand chose. Mais bon, c'est Là, toujours pour le mieux coup, de stop loss, sinon mais par rapport à la on va valeur. dire, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Enfin, Oui, je bien veux dire, sûr. le mercredi, je sais, quand est-ce que c'était? C'était lundi dernier, je crois, lundi ou mardi dernier, bref. Ouais. Avant la veille, non? Le mardi ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est possible que ce soit mardi, ouais. Bref, voilà. Bon, le S&P 500, Tino? Alors, je n'ai pas la bougie du jour, désolé. J'ai pas, parce que sur mon logiciel en De toute données façon, réelles, je ne sais pas c'est pourquoi je n'ai jusqu'à pas. 21h, hein, les indices aujourd'hui, Ouais, de toute avec façon, le ce n'est pas changement d'horaire. clôturé. Mais attends, je regarde juste, je me permets pour voir pour le S&P où c'est qu'on en est. Bah, on a Parce toujours que. quand même une incertitude, on va dire, les élections américaines qui pèsent, hein, Alors, pour le Nasdaq. Hein, on va pas oui. se. Certainement. C'est ce qui est ça. On voit quand même que les marchés américains, là, sont un peu moins. Enfin, comme le. 3242. 3242. Sont moins Bon, on est là. flamboyants qu'il y a quelques semaines encore. Alors, mon Lolo, là, pareil, on avait une figure, on avait un biseau pas très étroit, mais on avait quand même un biseau. On l'a cassé un peu l'image du DAX. On a pullbacké, et on a grappillé, ici la résistance, et puis derrière, on a rejeté. La zone dont je parlais en début d'émission, qui pour moi est primordiale pour la suite de la bourse complète, c'est cette zone-là.
Pourquoi? Parce que là, on a un M qui, s'il venait à être enfoncé, ici, si on venait à enfoncer cette zone-là, qui est la zone des 3200 points, il est tout à fait envisageable, du moins ce serait l'objectif qui serait fixé par les traders, ce serait de reporter la hauteur de, du coup, si on peut dire la hauteur, ici, qui je représente avec la flèche bleue, sur la hauteur ici. Et ça nous reporte directement sur ce gap haussier qui était en date du 18 mai. 2900 ici. Points à peu près, à la louche. 2900 points. Certainement que si on venait à casser, on viendrait, je pense que la zone psychologique 3000 points est très importante. Donc, si on venait à enfoncer, certainement qu'il y aurait un reflux ici. Et puis, on viendrait titiller le bas de ce gap pour le refermer et clôturer juste à 3000 points peut-être. Voilà. Ça, c'est la première hypothèse. Si on en... C'est pour ça que c'est très important les prochaines séances parce que je pense qu'on y arrive. Et d'ailleurs, on est dessus là apparemment. Donc voilà. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de avoir une réaction positive, donc avoir une zone d'achat, parce que c'est une zone d'achat. Hein. De toute façon, les zones de vente et les zones d'achat, les meilleurs moments pour vendre et les meilleurs moments pour acheter, souvent, c'est les mêmes. C'est, ça se joue à très peu. C'est le moment où tu bascules ou tu bascules pas, en fait. C'est le virage. Est-ce que tu prends le virage ou est-ce que tu ne le prends pas? Et là, il y a un virage. Donc, soit, effectivement, on va casser, soit là, du coup, on va repartir ici, rechercher à l'assaut. Donc, faire un W, du coup, pour le coup, qui pourrait effectivement, lui, par contre, si on venait à le casser par le haut, l'objectif serait reporté ensuite ici. D'accord. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, si tu veux, on est dans une zone extrêmement importante et pour toute la bourse globale. Mondiale. Si c'est sûr. Parce que si les Américains… Je ne peux pas imaginer une seconde que si le S&P perd 9% dans les jours prochains, le CAC fasse plus 3 ou plus 4. Je ne peux pas Même toutes les bourses mondiales, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ceux qui parlent de résistance historique du CAC, si jamais une bourse américaine venait à s'effondrer… Ça va être difficile. À noter mon Lolo aussi, techniquement, tu sais que j'aime bien travailler avec les ratios de Fibonacci, j'en avais parlé. C'est pas des points précis, mais ça permet de voir certaines choses. Et généralement, on s'aperçoit qu'après une hausse, il y a des retracements, toujours. Après une hausse, il y a toujours un retracement et qu'il y a des zones importantes. Et notamment, moi, j'aime beaucoup la zone des 50 parce qu'elle est très, très simple. C'est-à-dire que généralement, on a une hausse et on a un retracement de 50% de hausse. Et on s'aperçoit quoi, mon Lolo? On s'aperçoit que la zone de retracement des 50%, donc entre le plus bas qui est ici et le plus haut qui est ici, la zone de retracement des 50%, regarde, elle est là. Ouais. Voilà. Elle est en plein sur ce gap. Absolument. Du 18 mai. Donc, ça fait beaucoup de choses quand même qui me font dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant les prochaines séances. Voilà. Ouais. Mais on reste quand même en dessous. En rouge, c'est la moyenne des 200 jours. Hein. C'est ça, on reste quand même au-dessus hein, là. Pour le moment, on est encore au-dessus. On a quand même enfoncé. Alors, sur le DAX et le CAC, j'en parle pas. On a tout enfoncé. Ouais, ce que j'allais dire. C'est ce qui m'a frappé, justement. Là, on a eu une première alerte sur la cassure en gap baissier ici de la moyenne mobile à 50. Une deuxième cassure de la moyenne mobile à 100 jours. Et là, maintenant, on va aller chercher la moyenne, je pense, à 200 jours. Je ne suis pas positif, hein, je te le dis. Et puis on a surtout les élections la semaine prochaine. On a aussi quand même beaucoup d'incertitudes qui font qu'à mon avis, ça va être la semaine prochaine aussi compliqué, hein, la bourse américaine. Hein. Il ne faut pas faire attention. Va être très intéressant. Alors moi, je ne bouge pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu fais quoi ?» Je ne bouge pas. Moi, je suis très liquide. C'est assez rare. D'habitude, je me loue tout le temps. Pour une fois, je suis un petit peu… J'ai pas mal de cash. Grâce au stop, parce que je me suis fait beaucoup sortir, surtout.
Je rentre sur quelques petites valeurs, mais complètement décorrélées. Voilà. Il me reste mon Sartorius, tu sais, toujours, qui tient. Comme quoi, une belle valeur, ça tient encore. Ouais. Et puis, je crois qu'il me reste un petit truc de pharmacie, mais bon, voilà, pas grand-chose, quoi, au final. Donc, j'attends et je patiente. C'est dur. Mais d'accord. Ouais, tu voulais qu'on parle de Nasdaq, du coup. Ouais, ce que j'allais dire, justement, juste pour toucher, parce qu'on a une semaine aussi pour le S&P 500 et le Nasdaq qui ont été mes valeurs préférées, c'est-à-dire les valeurs technologiques, ont publié beaucoup de résultats. Microsoft, des résultats stratosphériques qui ont été punis par la bourse, étonnamment. Comme souvent. Ouais, mais alors moi, j'étais mais complètement… Le marché a toujours raison, je reste sur ce truc-là, là-dessus. Mais c'était des résultats, quand tu as vu, plus que 30% que ce que les analystes avaient prévu, ce qui était déjà très optimiste, un truc de fou, quoi. On a eu Apple comme résultat, on a eu Apple qui a quand même été en pré-bourse, qui a été bien accueilli, et après la publication des résultats, qui a un peu été à la peine. On a eu Amazon qui a pulvérisé son chiffre d'affaires, qui est aussi plutôt baissier. On n'a que Alphabet, dont les résultats ont été aussi positifs du coup, mais qui a été bien accueilli par la bourse. Pardon. Le reste, on est plutôt justement… Apple d'ailleurs, j'ai regardé parce que moi, ça m'intéresse. Je t'avais dit, moi, ouais. Apple, je le vois à 100 euros. Ouais. Bah, on doit… écoute, là, on doit y être. Hein. Pas encore, je crois. Pas encore ? 108. 108, moins 6. Hein. Attends, 108 en dollars, là. C'est pas possible. Oui, non, mais je te parle en dollars, oui, pardon. Ah ouais, ce que j'allais dire. Je dis 100 euros, mais tu me connais. Je fais le lapsus. D'accord. Le Nasdaq, oui, moins 3. Dollars. Alors, le Nasdaq, on est à 10 800. Ben, on est là, on est encore là aussi. Alors, tu vois, Lolo, alors, tu vois, encore une fois, le parallèle, ce que je te disais, hein, et que tu me confirmes, c'est que le S&P, le Nasdaq, se ressemble comme deux gouttes d'eau en plein air. Ah oui, parce que les positions sont les mêmes. On a la même figure de M, ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, on est là. On est clairement, en plus, dans la zone que j'avais dessinée, parce que j'avais fait l'analyse hier soir. Ouais. On est dans la zone que j'avais indiqué, on y est, ça y est. Donc, la question, est-ce qu'on va enfoncer en clôture les 10 700 points ? Si les 10 700, 10 600 points, si on casse en clôture avec du volume les 10 700 points, l'objectif visé, et c'est la zone que j'attends depuis longtemps pour les 10 000 points. Portefeuille long terme, c'est les 10 000 points. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est les 10 000 points. C'est les 10 000 points. Alors, c'est une zone. Hein, c'est la vraie zone, le point idéal, entre guillemets, c'est 9 700. Mais moi, c'est la zone que je vise, c'est 10 000 points. Ouais. Les 10 000 points psychologiques. Voilà. Pour mettre un pied dans la porte sur un ETF, ouais. Nasdaq, je pense que c'est une opportunité. Ouais. Au niveau des retracements FIBO, par contre, là, attention, parce que ça peut quand même aller un petit peu plus bas si on retrace. Ah bah si, oui, tu as vu comme il est monté aussi. Regarde, on est pareil, 50%. Ouais. On est à peu près là. Ah d'accord, ouais, okay. Ouais, on est là. Je m'attendais, alors, ça peut aller plus bas, bien sûr. Ouais. Mais la zone de 50%, elle est là, donc ça me va. Ça me va, okay. Ça me va. La moyenne mobile à 200 est là, on pourrait juste l'enfoncer et la sauver au dernier moment. Ça me plaît, cette zone-là. Ouais. Ouais. Donc, attention, la semaine prochaine. Ouais. Alors, si ça rebondit, ça peut être une zone d'achat parce que malgré tout, à 10 800, on est entre guillemets pas cher. Je vous rappelle qu'on était quand même à 12 500 points au mois de septembre. Oui, ouais, les soldes ont commencé hein, sur le Nasdaq. Même, hein. Ben ouais, on est quand même à une baisse de 13%. Donc, c'est quand même pas… voilà. Mais donc les deux zones d'achat ici et la deuxième zone d'achat qui peut être intéressante, elle serait à peu près ici. Si on vient à casser, je ne sais pas trop, il faudra regarder. Bon, d'ici là, on aura le temps de faire un live. ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est… le Nasdaq, ouais, c'est une… Pour ceux qui ne sont pas investis ou qu'on… Je ne sais pas, moi, je commencerai déjà à mettre un pied dans la porte, à vrai dire. Avec ma technique du saucissonnage, par le biais d'un ETF, pour ceux qui ne veulent pas rentrer sur des valeurs particulières, je veux dire qu'on a des valeurs magnifiques dedans. Hein. Oui, bien sûr. Mais à condition d'avoir une réaction, moi, je serais prêt à payer ici sur la zone des 10 800.
Mais je veux une réaction, quoi. Il faut, parce que si on traverse, si on fait 3-4 bougies, bouffe et qu'on descend, j'atteins une réaction. Ouais. Ouais, ce que je veux dire aussi aux gens qui commencent un peu à regarder s'ils ont justement un plan ou ils ont leur liste de courses, ah voilà, l'occasion peut-être, oui, je voulais acheter Apple, mais je le trouvais encore trop cher. Là, commencez peut-être à regarder Amazon éventuellement. Microsoft, voilà, ou les classiques Visa, Mastercard qui ont aussi bien morflé. Voilà, donc bah regardez votre liste de courses et à vous de voir si c'est pour vous presser les incertitudes ou pas encore. Si ça ne l'est pas, attendez encore un petit peu. Si ça l'est, bah allez-y. Mais allez-y, comme on le dit souvent, prudemment. Voilà. Et on en vient, en parlant de ça. Ah, en parlant de prudence. Voilà, bon, on en vient, à ce qu'on nous dit, parce que bon, ouais. pour replacer un petit peu tout dans le contexte. Donc, à la base, créé un groupe qui s'appelle le podcast de la Bourse. On est pratiquement 1200 d'ailleurs, je crois maintenant. C'est encore une fois. Je crois qu'on les avoisine, ouais. On vais regarder, mais bref, peu importe. On remercie d'ailleurs encore une fois tout le monde parce qu'on a beaucoup de postes de qualité et on voit bien la différence d'ailleurs avec beaucoup d'autres groupes où il n'y a pas de modérateurs. Là, on a vraiment des groupes avec des belles valeurs, des analyses pertinentes, autant sur le fondamental que la technique, etc. Donc, c'est génial. On est vraiment très content. Ouais, on a eu d'ailleurs à ce sujet-là un post hier de Michael qui était magnifique. Super. Magnifique. Ah, ouais. Ouais. D'ailleurs, merci à toi. Lui, on le remercie parce que il apporte une belle pierre à l'édifice. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont sur le podcast de la Bourse, s'ils pensent que grâce au groupe, ils vont pouvoir rentrer sur une valeur et faire plus 30 dans la journée, il faut qu'ils oublient, ils n'auront pas ces valeurs-là sur le groupe. Voilà. Ou très rarement, ou alors vraiment un coup à la Snapchat ou un truc comme ça. Ce sont des valeurs généralement qui sont volatiles, avec des carrés d'ordre qui sont relativement faible. Et c'est la raison pour laquelle on ne publie pas, et moi, même si je peux être investisseur parfois, tu le sais, Bruno, sur des valeurs, sur des biotech, sur des pédistocks et tout ça, je ne conseille pas sur ce genre de valeurs parce que je sais très bien que sur les 1200 personnes qui vont lire mon poste, il y en a peut-être que 200 ou 300 qui vont rentrer prudemment et faire un bon money management, etc., etc. Pour le reste, ils sont en risque. Et j'en veux pour preuve, et c'est la raison pour laquelle les gens qui postent sur des valeurs avec des carnets d'ordre vides, ben on se permet de les supprimer parce que les règles ont été fixées dès le départ. Absolument. Ouais. Donc, ça fait partie des choses. Voilà. Aujourd'hui, alors, je peux en parler parce que j'ai failli rentrer, je l'ai regardé, j'ai un très bon copain que j'embrasse et qui est dessus, TerraDiag. Bon, TerraDiag, c'est une valeur biotech. On a des mouvements, si tu veux, voilà, tu vois. On a des mouvements qui sont explosifs avec plus de 100% en trois séances. Mais on a également, comme ça s'est passé aujourd'hui, on a aujourd'hui une bougie, on a perdu 28% aujourd'hui. Ouais. Tu vois mon lot. Alors, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'ai pas les comme c'est, je sais pas mon compte réel, je n'ai pas les bougies. Une minute, cinq minutes, etc. Mais on s'aperçoit que là, ici, le carré d'ordre s'est vidé. Il n'y avait plus d'acheteurs. Terminé. Ouais. Les vendeurs ont tous voulu larguer. Et derrière, ça a créé un fossé de moins 30%. Alors, le problème, et le gros problème de ça, c'est que celui qui a un portefeuille de 10 000 euros et qui a mis, ici, admettons, avant la baisse, il était à son prix. Il n'était même pas perdant, il était à son prix. Tu vois, on va partir du principe que le gars, ici, l'a acheté parce qu'il s'est dit, bon, très bien, il avait un prix à 4,35. Il a mis sur les 10 000 euros, il a mis 7 000 euros de son portefeuille. Ouais. Il prend dans la gueule une baisse de 30%. D'accord ? Ouais. Alors, le réflexe logique, il se dit, les 3 000 euros qui me restent, je vais les injecter. Comme ça, je vais faire baisser mon prix. D'accord ? Ouais. Comme ça, au lieu d'être à moins 30, je ne vais plus être qu'à moins 20.
Et il y a de très fortes chances, comme ça arrive très souvent, que Terra Diag reparte à la hausse lundi, parce qu'il y aura un rebond technique, et le gars va pouvoir s'en sortir, il va vendre au pru, il va se dire, plus de peur que de nickel, mal, je ouais. suis sauvé, ouais. nickel, parfait, ouais. bien joué. Je suis le meilleur, ça va, je m'en sors bien, c'est moi le meilleur, je vais pouvoir dormir ouais. ce soir et pouvoir payer le resto à ma femme. Nickel. Ouais. Le problème, c'est que si Terra Diag, lundi, il ouvre un gap baissier, parce que ça peut très bien arriver aussi, si ouais. lundi, Terra Diag ouvre à moins 10, à moins 15, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On clôture, on garde, ah ouais. on attend, on fait quoi? Ouais. Ah, ouais, je comprends. Ouais. Donc, non, bah ouais, c'est pour ça aussi que... la même interrogation, quoi. Soit mais c'est il n'y a pas de solution. La solution, ouais, c'est ouais. tu prends une ouais. pièce, tu la jettes en l'air et tu attends de quel côté elle va tomber. C'est ça, la ouais, solution. Ouais. Je suis sérieux hein, avec ce genre de valeur. On ne peut rien faire. Une fois qu'on est collé sur une valeur comme ça, on ne ouais. peut rien faire. Alors, il y a encore une fois de très fortes chances, parce que c'est une valeur haussière quand même et tout, il y a de très fortes chances que Terra Diag reparte à la hausse. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il y a une chance sur 5 que Terra Diag ne reparte jamais à la hausse. Et là, les gens qui ont mis 80, 90%, voire des fois 100% de leur capital boursier sur Terra Diag restent collés à vie. Donc, si vous rentrez sur Terra Diag, la prochaine fois, ou sur une valeur comme Terra Diag, il y en a une autre aujourd'hui. Moi, j'ai fait des allers-retours en intraday qui s'appelle Genomic ouais. Vision. Ce matin, je suis rentré ouais. sur Genomic Vision. D'accord ouais. Ceux qui me suivent le savent, je suis rentré sur Genomic Vision. Genomic Vision, dans la matinée, elle a perdu 4%. D'accord ouais. Je suis rentré à 9h30. Bref, et très rapidement, quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai fait non, pas très rapidement quand j'ai regardé mon téléphone, mais mon stop, j'avais mis un stop à 4%. Mon stop ouais. a été déclenché, je me suis fait sortir. Terminé. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, comme tout le monde, ah, oh, mais mon stop a été déclenché. Derrière, Genomic Vision, elle est repartie, tu sais, comme ça. Ouais, ouais. Et mais encore une fois, mon stop s'est fait déclencher, tatati, tatata, j'en ai marre de mettre des stops, tout ça. Et derrière, Genomic Vision, ce soir, elle a clôturé à moins de 30. Ouais. Voilà. Non, non, c'est. Donc, c'est, je remercie mon stop. Tu vois, ah, mon stop m'a ouais. sauvé la vie aujourd'hui. Tu ouais. vois. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer sur Terra Diag ou sur des ouais. valeurs avec des carrés morts de vide, je terminerai le lot après, je te repasse. Oui, bien sûr. Si vous voulez rentrer, on le répète et on le répète et on le répète, si vous voulez rentrer sur des valeurs comme ça, vous rentrez une petite partie de votre capital, vous ne mettez en jeu qu'une petite partie de votre capital, vous mettez des stops. Si le stop est éloigné parce que c'est une valeur volatile, il n'y a pas de souci, à ce moment-là, vous réduisez la taille de votre position, c'est tout. Et puis, voilà. C'est tout. Sinon, un jour, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Vous allez faire plus 10, plus 15, plus 30. Et un jour, vous allez tout perdre. Ouais. Parce que ça finit toujours dans un bain de sang. Toujours, ouais. toujours dans un bain de sang. Absolument d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Oui, justement, et... oui, ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, protégez-vous. Le problème, c'est que des fois aussi sur les valeurs qui sont peu liquides, tu as beau avoir à mettre un stop, mais si tu n'as pas d'acheteur en face… où tu as plus des gens qui sont avant toi dans le carnet de vente, et bah ton stop justement va être déclenché, mais ça ne veut pas forcément dire que tu as des acheteurs. Mais au moins, tu limiteras quand même d'une façon ou d'une autre les dégâts. Quoi, que rester, si tu as mis, si sur ton capital de 10 000 euros, tu as mis 1 000 euros sur Terra Diag, ouais. d'accord, tu prends un gap baissier, tu prends 50% dans la gueule. Ouais. D'accord, vraiment 50%, ça commence à être déjà du gap baissier. Ouais. Ouais, 50% de la gueule. Tu as perdu au final 5% de ton portefeuille. Ouais, c'est pas exactement. Un drame. Tu peux t'en ouais, remettre. Ouais, Par ouais. contre, si tu as mis 100% de ton capital et que tu perds 50% de ton capital sur Terra Diag, tu es ouais. mort. Tu es ouais. mort parce que tu peux plus rien faire après. Ouais, après, ouais, tu pries. Ouais. Tu souhaites, comme ça arrivera très certainement, et je le souhaite parce que moi j'ai mon pote qui est dedans. Bon, lui il avait un prix plus bas donc ça va, mais j'ai beaucoup de potes qui y sont, etc. Ouais. Je le souhaite après une bougie de 30%, très certainement, ils vont pouvoir sortir lundi et je le souhaite de tout cœur, vraiment. Ouais. Mais malgré tout, si la seule fois sur 5 où le rebond n'a pas lieu, ça arrive, ben, ça va être très compliqué. Très compliqué. Ouais, ouais, ouais. D'accord ? Donc, je préfère quelqu'un qui se fait stopper ici à moins 10 et qui dit bon, ben, allez, tant pis. Et ben, si ça rebondit, ben, tant pis, ça rebondit. Ouais. Plutôt que de laisser traîner ça, quoi. Voilà. Ouais, plutôt qu'être entêté. Alors voilà pourquoi mon ouais. lot, toi et moi, et on s'est mis d'accord dès le départ. Absolument. Et on est d'accord là-dessus. On ne va pas, on ne commente pas sur les penny stocks, on ne commente pas sur les carnets d'ordre vide.
quand il y a des gens qui publient même de très bonnes analyses, eh bien, malheureusement, on est obligé de les décliner sur le chat. Gaël, il a publié un truc sur Navia l'autre jour, je l'en remercie. Navia, par exemple, c'est une petite entreprise, mais il y a un calendrier qui est très plein, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Par contre, il y a des penny stocks où on ne peut pas aller. Voilà, c'est pas possible. Non, on ne peut pas conseiller là-dessus. Ouais, c'est absolument. C'est pareil. Je peux pas, entre guillemets, on ne peut pas être tenu responsable, mais quand même, on ne peut pas faire la pub pour ce genre de société-là, quoi. Voilà, pour dire ou laisser passer ce genre de choses-là, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas aussi. Qui ne comprend pas ton expérience, quoi, tout simplement. Quoi, la bourse, c'est qu'on ne peut peut-être pas ce money management aussi fin que toi, tu peux l'avoir. Donc voilà, quoi. Et on ne peut pas prendre ce risque-là par rapport aux gens et dire, partir du fait que les gens, oui, s'ils connaissent en bourse, ils sont sur le groupe à fond, ils connaissent leur money management, ils posent tous des limites qui sont toutes raisonnables, ces limites. Donc voilà. Et j'ajoute mon lot que désormais, lorsqu'il y a une analyse technique qui est publiée, ce que je demande à ceux qui en publient, et je me mets dedans, c'est qu'il y ait un point d'entrée, un premier objectif à atteindre et un point de sortie. Voilà. Vous indiquez, quand vous faites une analyse technique, dire voilà, je mets mon stop ici. Voilà. Comme ça, les gens qui veulent vous suivre, pourquoi pas, c'est leur droit le plus total, ils savent exactement quelle est la stratégie que vous adoptez. Parce que c'est facile de balancer. Là, moi, je peux publier une analyse sur TerraDiag en disant objectif, le haut là. Voilà. Ouais. Objectif, 5,60 €. D'accord ? Ouais. Ça fait une hausse de 88%. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Alors, les gens, ils voient ça, ils disent 88%, c'est un truc de fou. Je vais mettre mon cash dedans. Et où tu sors ? Où tu sors ? D'accord ? Donc, maintenant. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui publie, OK, où tu sors ? Là, par contre, je vais avoir des problèmes. Désolé, je suis sévère, mais c'est tellement important, putain, c'est tellement important. Mais là, par contre, avec ce que tu viens de dire, moi, je vais pouvoir, parce que quand je fais mes analyses, je n'ai jamais des points d'entrée ou de sortie. Hein. Juste une analyse. Non, mais Lolo, toi, la différence, c'est que… Non, mais attends, Lolo, tu rentres sur des grosses caps, tu rentres sur Apple, tu rentres sur un machin, tu saucissons tes trucs, ça n'a rien à voir. Là, tu as un investissement long terme. Moi, quand je fais des publications, c'est pas forcément pour du long terme, c'est du court moyen terme. Donc, moi, je me dois, comme ceux qui souhaitent le faire. D'ailleurs, je te signale que dans tes posts, tu vises rarement, tu mets rarement des objectifs parce que pour toi, l'objectif, c'est de garder le plus longtemps possible parce que c'est sur le long terme. Absolument, Je ne pense pas qu'Apple va ouvrir un gap baissier de 40% lundi. C'est possible, mais je ne pense pas. Apparemment, l'iPhone, il y a un bug dans l'iPhone. C'est à côté, c'est dans ma pièce. Il y a la machine à côté, à laver qui est à côté. Et justement, ma femme vient de la déclencher. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu. Du bruit. Donc, je m'excuse auprès de la communauté. Je lui dis à la prochaine fois pendant l'émission de ne pas le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Revenir sur les moins 40% d'Apple, sur les grosses capotes, bien sûr que ça peut arriver, mais c'est quand même plus que limité, quoi. Enfin, c'est quand même peu envisageable, on va dire. Voilà. Ouais. C'est quand même peu. Je te rejoins aussi complètement là-dessus. Si on met des valeurs qui sont un peu plus petites, ou comme tu disais, mettre des points d'entrée et des points de sortie. Au niveau d'une analyse, c'est qualitatif et ça permet aussi aux gens un peu de voir, de se positionner et justement faire éventuellement un money management en fonction de ça, quoi. Justement, qu'ils apprennent aussi, c'est le but aussi de notre du podcast de la bourse, que les gens. On a prévu de faire dans l'année, etc., une émission un peu spéciale à la fois sur le fondamental et à la fois sur la technique, où toi, tu nous indiquerais. Deux, trois astuces pour regarder rapidement si une entreprise est rentable. Et moi, deux, trois astuces pour expliquer rapidement comment on gère le money management et comment on regarde rapidement si une action est sur le point de s'effondrer ou peut-être sur le point de rebondir. Bon. Ouais. Deux, trois astuces. Mais en attendant, de toute façon, on est dans un marché, tu l'as vu, même avec SAP, le marché, il est en plein délire. Il est dans tous ses excès, que ce soit à la hausse et que ce soit à la baisse. Genomic Vision, elle a pris 100% la semaine dernière, elle a doublé, et puis là, aujourd'hui, elle est à 30%.
on est sur des euphories à la hausse ou à la baisse totale. D'ailleurs, c'est à l'image de la société, on le sait très bien. Ouais. Le marché reflète la société actuelle. Donc, en ce Ouais, moment, absolument. tant pis, il vaut mieux ne pas faire d'affaires Ouais. que faire de mauvaises affaires. Vos affaires, absolument. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, donc oui, ben, je pense que c'est un très bon mot de la fin d'ailleurs, à l'occurrence. Surveillez, voilà. Et le plus important encore, soyez en bonne santé. Surtout ça. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Tino, merci encore à toi pour ce temps-là. Merci. Ton On temps. va, Mathieu, je crois, va s'occuper de faire une campagne de teasing pour le live. Oui. Ouais. On Alors, il compte faut tous vraiment vous sur vous voir. vendredi Ouais. 6 novembre, 21h. Ce Ouais. sera certainement sur le groupe Facebook. On Mais verra, ouais. Au on niveau des verra, ou commentaires, je pense YouTube, que après, ce on vous sera. dira. Ouais, Mais on on vous a tiendra au besoin d'un max courant. de monde parce que, bon, ben, si on voit que ça y a pas beaucoup de monde, on renouvellera peut-être pas l'expérience. Non, je Mais je pense pense que ça va pas, marcher ouais. parce que ça c'était vachement cool hier, le test. Et alors, donc, on se livrera à toutes les analyses que vous souhaitez, là, pour le coup. On ira voir un peu toutes les valeurs, on parlera un peu de tout. Enfin, ce sera vraiment un débat tous ensemble. Ouais, ce Voilà. qu'on va essayer juste en termes de temps, c'est de le limiter au moins à 1 heure et demie quand même. Je pense que ce serait un Oui, une heure et peu demie, parce ouais, une heure et demie, c'est que, bien. Ouais. donc Une si heure et on demie, c'est peut, bien. bon, tant mieux s'il y a beaucoup de monde. On essaiera aussi de sélectionner les questions. S'il y en a qui sont redondantes, bah, on essaiera de gérer un peu tout ça. Il faudra que les gens soient un peu aussi, un peu de compassion entre guillemets parce que ce sera le premier live. Donc voilà. Et puis surtout, bon, si on ne répond pas à votre question, à vos questions, on en sera On y désolé. répondra. On répond toujours, nous, tu le sais, on On répond répond toujours. toujours, ouais, mais peut-être on verra ça. Mais justement, on essaie quand même de limiter en termes de temps parce que pour vous aussi, quand même, 1 heure et demie, au-delà d'une heure et demie, c'est voilà, ça devient chiant. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, c'est vendredi 6 novembre, c'est à 21h, comme tu viens de le Vendredi dire. 6 novembre. Ouais, les gens, voilà. D'ici là, restez surtout en bonne santé. Faites attention à vous. Protégez vos portefeuilles, comme le dit Tino. Et voilà. Et donc, Il y aura des on se. opportunités, c'est promis. Il va y avoir Ouais. des opportunités. Il Gardez y du aura des. cash. Op... Gardez Ouais, du ouais. cash. Absolument. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Tino. Absolument. Allez, ciao et bon week-end à tous. Salut. Salut Ciao, mon Tino. Lolo, salut à tous. À Ouais, bientôt, ciao. vendredi À 6 bientôt. novembre. C'est Ciao. ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao.